Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter l'un des meilleurs pressings ici à Yaoundé. Nous sommes ici à la base, à Ogusso. J'aimerais vous présenter cette grande entreprise. Mais avant, j'aimerais vous présenter également le promoteur de cette entreprise. Qu'est-ce qui a motivé ce monsieur à mettre du pied une si grande entreprise qui regorge déjà, qui recrute déjà plus de 50 employés? Suivez mon regard. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis là avec le promoteur de cette entreprise que vous allez voir tout à l'heure. Déjà monsieur, vous vous présentez? Oui, je m'appelle Didier Christophe Germain. Vous regardez la caméra? Je m'appelle Didier Christophe Germain. Ouais. Et qu'est-ce qui m'a motivé à mettre cette entreprise sur pied? C'est les problèmes que les gens ont. D'abord moi-même. Ouais. Pendant ma jeunesse, je m'ai bien habillé. Et nous avions toujours des difficultés pour nettoyer nos habits. Et c'est ça qui m'a poussé à mettre cette entreprise sur pied pour essayer de résoudre les énormes problèmes que les uns et les autres ont. Et moi-même. Donc, c'est ça qui m'a motivé à mettre cette entreprise sur pied. D'accord. Il faut rappeler que pour que le papa accepte de passer devant l'écran, ça n'a pas été facile. Puisque je travaille avec lui, quand j'ai dit je travaille avec lui, c'est l'entreprise qui lave mes vêtements depuis plus de 2 ans. Et depuis, j'essaie de dire au papa que j'aime tellement votre façon de travailler, j'aime votre service. J'aimerais partager cela avec ceux qui me regardent au quotidien, puisque j'ai beaucoup de benguis qui me suivent, sans compter des bonbons, comme on dit souvent dans nos langages quotidiens. Les riches, donc, qui sont au pays, qui me suivent. Et qui ont ces difficultés-là. Déjà, il faut rappeler que qui sont vos cibles, les personnes cibles. Oui, les personnes cibles, vous savez que nous sommes dans un secteur très sensible. Le vêtement touche l'intimité, donc je ne pourrais pas nommer les personnes. Nous travaillons avec des administrations, nous travaillons avec des hôtels, nous travaillons avec des membres du gouvernement qui ont des problèmes pour nettoyer leurs vêtements. Mais dernièrement, vous étiez en train d'expliquer un monsieur qui avait son shopping quelque part dans la ville, bon, à Mokolo là. Oui. Il avait les difficultés, il avait des vestes moisies. Voilà. Par exemple, cette problématique, nous avons, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être aux imperfections de la construction, ou bien aux intempéries, ou alors aux produits que les autres concurrents utilisent. De plus en plus, nous avons des clients qui ont des penderies complètement moisies. Ouais. Alors, on nous les apporte et nous récupérons. Nous récupérons les habits, nous les remettons en neuf. C'est ainsi que nous avons eu plusieurs fois certains prêt-à-porter qui avaient pensé qu'ils avaient déjà perdu complètement leur costume et tout. Alors, quand ils sont arrivés ici, je les ai récupérés. Ils étaient très, très, très contents et satisfaits. Très bien. Avant de présenter l'entreprise, j'aimerais savoir, vous exercez, vous êtes sur le terrain depuis combien de temps? Je suis sur le terrain depuis 2009. 2009? Oui. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Ça fait un peu du temps. Et parce qu'il a fallu d'abord que, comme vous avez dit tout à l'heure, que j'avais des réticences pour passer dans la vidéo et tout. Parce que je ne l'ai pas fait depuis, parce qu'il fallait d'abord que je maîtrise l'outil de production. Tout à fait. Parce que quand vous constatez des imperfections, il ne faudrait pas que vous les redonnez aux autres. Alors, j'ai fait des stages de formation et ce temps m'a permis vraiment de maîtriser le sujet. Vous qui nous suivez depuis le Canada, les États-Unis, la France, partout dans le monde, une fois que vous êtes à Yaoundé, écoutez bien, le seul pressing où vous allez laver vos habits, c'est chez Mr. Clean Pressing. Mr. Clean Pressing. Vous allez nous présenter l'entreprise. Voilà. Allons-y, on va faire visiter l'entreprise. Suivez-nous. Voilà. Vous allez nous expliquer certaines choses. Bon, ici c'est le rayon chemise. Donc, après qu'on est réceptionné, nettoyé, on les met à disposition du client. Très bien. Évidemment, on les met dans des standards confortables pour que quand le client va déballer sa chemise, il va la mettre. C'est donc, du professionnalisme ici. On n'aura plus à retoucher ce qui brûle souvent ou bien salit souvent des habits. Ouais. Mais une fois qu'une chemise est sortie, un article est sorti de mes ateliers, il est ouvert pour porter. Et là? Ici, nous avons la machine emballeuse. Celle qui emballe les costumes. Tout à fait. On évolue. Suivez notre regard. C'est la magie ici. Nous sommes en gousseau.
Voilà, mon frère, revenez. Il faut préciser que vous êtes basé dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Oui, pour essayer un peu de rapprocher les clients de l'entreprise, nous avons ouvert des dépôts. Des dépôts vraiment juste des points de récupération, ouais, et de distribution. C'est-à-dire, vous allez vous déposer et ça vient au traitement à l'agence principale ici. Ouais. Parce que j'ai voulu garder une unité de traitement pour pouvoir m'assurer de la qualité. Tout à fait. Ouais. Et moi-même, j'y précède. Mm-hmm. Je suis là 24 heures sur 24. Donc, il y a des points dans la ville. Nous avons en Kouaban. Oui, Kouaban. Mm-hmm. À quel niveau à Kouaban? Avant Santa Lucia, oui, quand nous venons de Mimboman, à une centaine de mètres. D'accord. Les contacts en bas de oui, l'écran. Nous avons à Oja. Agence de Kouaban. Oja également, oui. À quel niveau à Oja? Monte Coex, avant l'entrée du collège Adventiste. Très bien. Mm-hmm. Nous avons à Biémassi. Biémassi. À l'immeuble Espèce Union. Ouais. Mm-hmm. Nous avons à Madjeni, oui, la route qui va vers Colbison, ouais, dans les boutiques de la communauté urbaine qui y sont. Nous avons pour notre point en face au centre-ville, en face de la pharmacie française, en face du commissariat premier arrondissement, la première boutique en descendant, c'est celle qui ravitaille donc les clients qui sont dans les administrations au niveau des impôts et tout, et tout, et tout. Mm-hmm. Et nous avons également à Emana. Emana, oui. En face de Nezafi. En face de Nezafi. Évidemment, nous avons à Bastos. Bastos, oui. Carrefour Moto Georges. Comme pour aller, je ne fais pas de publicité au grand restaurant Blix qui est en bas. Okay. Une vingtaine de mètres à droite, vous allez voir Mr. Clean Pressing. C'est là que je récupère donc tous les habits des clients de Bastos. Super. On continue. Bonjour madame, bonjour. Ça s'arrête ici? Non, allons-y. Je vais présenter tous ces endroits en image. Bon, ici donc, c'est des ateliers purs. Nous avons... Qu'est-ce qu'ils font là concrètement? Ce qu'ils font là, ils sont en train de faire le pré-détachage. Ils sont en train de pré-détachage quand les habits arrivent. Avec les produits que nous importons, nous pré-détachons et nous laissons une certaine durée pour que les produits fassent un effet sur les habits. Et après, ça va passer au cycle suivant. Donc, nous avons également ici un fourrage. Ici. Vous avez un fourrage, ouais, hein, là derrière. Ah, ouais. Okay. Et ici, nous avons des machines industrielles à eau. Qui lave 40 kilos. Oui. Et puis nous avons la section emballage avec ma collaboratrice Francine. Mm-hmm. Et de l'autre côté, nous avons la section repassage. Ouais. Section repassage, proprement dit. Donc, nous repassons. Salut les gars. Du courage. Et nous avons vraiment des ateliers assez confortables, assez aérés. Ouais. Nous suivons les instructions de la CNPS pour que les gens travaillent dans des conditions agréables parce qu'il y a une intensité de chaleur qui se dégage à partir de... On va revenir. Ici, c'est une détacheuse. Mm-hmm. Vous lavez aussi les chaussures. Hein. Oui, nous lavons les chaussures. Mm-hmm. Super. On va au magasin. Ouais. Donc ici c'est le pôle de distribution. Une fois que les vêtements sont sortis des ateliers, ici nous les dispatchons dans les différents dépôts. Et qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de faire ce qu'on appelle donc les livraisons. Parce qu'on ne peut pas faire ce travail à la main. Ouais. Il faut à tout prix, parce que chaque article
et doit avoir une traçabilité. Et à l'accueil, là, il y a aussi une autre machine. Ouais, c'est le même processus. L'ordinateur commence à l'accueil, introduit un numéro. C'est ce numéro qui passe à travers la production et arrive, après la production, arrive ici à la livraison, ouais, pour qu'on soit sûr que ce qui est entré est prêt à être livré. Super. Alors, au magasin, on va aller nous présenter le produit. Donc, le succès. Alors, ici, nous avons le centre névralgique de la blanchisserie du pressing. C'est les produits. Alors, si vous n'êtes pas sûr des produits que vous utilisez, évidemment, la qualité sera médiocre. Alors, compte tenu de tout ce qui se passe avec les fournisseurs locaux qui sont parfois en train comme vous connaissez, expliquez-nous les produits. Quels sont les produits? Nous importons de France, oui, de nos produits, depuis la France, oui, de nos produits. Ça, c'est une lessive. Mm-hmm. Et celle-ci, elle est produite, nous l'importons d'Allemagne, qui est, wow, uniquement chargée pour les blancs. Mm-hmm. C'est pour ça que dans la ville, nous avons une réputation d'être le meilleur en blanc. Oui, oui, oui. Vous savez, tout à l'heure, vous êtes les meilleurs. Et ici, donc, nous avons ces produits que nous reconditionnons donc, pour être prêts à utiliser. Et ce produit, c'est le perchlore. C'est ce produit qui permet le nettoyage des vêtements à sec. C'est-à-dire, par exemple, les costumes, les pantalons synthétiques. C'est un produit écologique que nous importons d'Allemagne. Et ça évite tout ce qu'il y a comme grisement dans les costumes. Nous avons les costumes qui perdent les couleurs. Nous avons les costumes qui sont boursouflés. Nous avons les costumes qui se rétrécissent. Parce qu'il y a un autre produit comme celui-là sur le marché, que beaucoup de concurrents utilisent, qui sort de Chine. Évidemment, c'est le vêtement qui va prendre un coup. Ok, merci monsieur. Beaucoup de courage. Hein? Mm-hmm. Les couleurs sont vraiment... Donc, vous allez contacter partout où il y a des points de livraison. Mm-hmm. Les contacts sont là, au bas de l'écran. Vous appelez. La base est ici, à Gousso. Total, en face Total, en allant vers la chapelle. Donc, dès que vous êtes à la Total, en allant vers la chapelle, vous allez voir directement Mr. Clean au rez-de-chaussée. J'invite ceux qui ne sont pas encore clients de visiter aussi cette entreprise. Venez juste par curiosité. Parce que parfois, on fait des choses comme chez nous. Ouais. Mais pour se rassurer que son costume, son blazer, la Tour en Force qu'on a acheté à 1000 euros. Vraiment, si vous ne savez pas où est-ce qu'on le lave, vous ne pouvez pas prendre le risque de le laver. Et nous avons beaucoup de Camerounais qui profitent de leur séjour en Europe pour aller laver leurs habits à l'étranger. Pourtant, la solution, c'est ici. Pourtant, la solution est là. À côté. Non, peut-être qu'ils ne sont pas aussi au courant. Exactement. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tout le monde est au courant de Mr. Clean, le meilleur pressing à Yaoundé. Merci. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.